Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons sur Resident Evil 3 pour le cinquième épisode du Let's Play. Donc on a déjà avancé au niveau de Raccoon City, le centre-ville s'est terminé. Comme vous avez pu le voir, on s'est scratché avec le tram. Et donc maintenant nous sommes au Beffroi. Normalement c'est pas un niveau très très long, donc on verra bien. J'ai regardé par rapport à ce que je vous aviez dit dans l'épisode précédent. Donc en fait, si vous êtes en pleine santé dans le jeu, vous ne mourrez pas grâce à la caisse. Parce qu'en fait la caisse tombe sur votre... Enfin, elle tombe. Normalement elle tomberait sur votre visage, mais elle ne tombe pas sur votre visage apparemment. Moi c'est ce que... À mon avis je devais plus avoir beaucoup de vie quand j'ai dû avoir ça. Et du coup on ne meurt pas. Mais si on a beaucoup de vie. Et je devais pas en avoir beaucoup. Alors je sais que là il va y avoir quelque chose qui risque de m'embêter. Alors je suis en train de me poser la question. Vu que j'ai beaucoup de balles de fusil à pompe, de magnum, et que le magnum je l'ai pas encore utilisé véritablement, sauf dans le premier épisode, parce que... Ben voilà, hein, tout simplement, on avait le magnum plutôt que le lance-grenade. Et moi je préférais avoir le lance-grenade pour continuer le jeu. Voilà. Moi je préfère, c'est comme ça. Ah d'accord, oui, non, moi non. On commence déjà les carabistouilles. On commence déjà à se tromper, c'est déjà bien. C'est plutôt cool. Alors c'est parti. Allons-y. Le beffroi qui est... C'est intéressant comme niveau, c'est pas mal. Je pense que c'est ici. Hein. Ah non, c'est fermé. Donc c'est plus par là. Là on avait rencontré le fameux Carlos. Alors on va visiter d'abord en bas. Oh 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 oh, regardez là. Il y a quelque chose pour nous. Des cartouches de fusil à pompe. Il y a quelque chose d'autre. Des instructions. Ça, c'est un peu comme dans le film. Le film, c'est Apocalypse. Donc, on doit sonner une cloche pour s'en aller, mais attendez. Ah, c'est une carte. Mince, j'ai cru que c'était des munitions ou une arme. Ah, ça peut être cool. Bon, normalement, je devrais pas récupérer, hein, parce que sinon, on va être embêté, mais c'est pas grave. Je le fais quand même. C'est que des zombies rampants. Ah ouais, les zombies rampants costauds quand même. Eh, regardez, regardez. Lui, sa tête bouge. Ah! Salaud! Attendez, hop, là non, ça devrait être bon. Regarde, donc je ne sais pas. Regardez lui. Lui, il est pas du tout mort. Le salaud là. On l'a vu, sa tête doit bouger. Tu t'es fait trahir. Tu as trahi ta position. Je viens de friquer. Faut tout analyser de toute manière dans les Resident Evil. Tout analyser. Ah, j'ai déverrouillé une porte. Bah, c'est parfait. Parfaitement parfait.
ici. C'est un point de sauvegarde. Parfaitement. Ah bah ça tombe bien, on n'avait pas de soins. On devait en reprendre un, donc on en a un. Par contre, les munitions de fusil à pompe, je veux bien les mettre de côté pour le moment. Quand j'aurai pas de balles, enfin plus de balles de pistolet plutôt, je le ferai. Ah, ici. C'est quoi? Ah! Une clé. Une clé. C'est les ennuis qui commencent. C'est l'arnacle. Oh! Trois pour le prix d'un. C'est moi qui régale. 3 pour le prix d'un. Ça, c'est la classe. Est où ici? Oh, il y a des corbeaux, on s'en va. Bon, déjà, on sait qu'il y a une pièce ici que l'on va devoir utiliser. Non, non, non. On va pas te refaire choper pour rien, hein. Donc là, je suppose que c'est par où on va s'en aller, si j'ai des bons souvenirs. Je me dis si j'ai des bons souvenirs. Bon. Ça se passe. Maintenant, on va essayer d'aller dans les pièces au-dessus. On n'a pas encore été. Alors, voyons voir ce qu'il va y avoir en haut. Ah, des copines. Bonjour. Ouais, ça va, elles sont pas très grosses. Les fameuses amies dans Resident Evil 2 que je n'aimais pas véritablement parce que c'était un peu embêtant. Oui, on va l'actionner. D'accord. Non. On va pas prendre de risques. On va utiliser la clé du beffroi. Ah oui, bon, on va l'abandonner. Bah non, je vais descendre par l'échelle. C'est une question bête des fois. Ici, il y a quoi? L'engrenage argent. Ok. De la poudre A. De la poudre A. Ça, c'est l'arnaque. D'ailleurs, ça tombe bien, quoi. Enfin, c'est... Si, c'est un point de sauvegarde en plus, parfait. Parfait, parfait. Mais sauf qu'on va pas sauvegarder tout de suite. Voilà. Comment ça devrait aller? Donc, on va fouiller de l'autre côté. Il y a... Ah, voilà. On va actionner les intérêts. Alors suivant. Suivant. Oh. Suivant. Bas. Suivant.
maintenant jouer. C'est gagné! Normalement, je crois que cette clé, on peut la combiner. Voilà, parfait. On va descendre. Donc là, on avance. Hein. Beffroi n'est plus qu'une question de temps. Ah bah, ça tombe bien, attendez. On va récupérer le soin. Là, je préfère le récupérer, on sait jamais. Rouge, ah enfin! Ah, deux rouges, ah, un moins bien. Donc là, on va retourner sur le point de sauvegarde. Parce que ça, c'est embêtant en fait, les rouges. J'aurais préféré une rouge et une verte, mais là, c'est deux rouges. Bon, si on trouve des vertes, on les mettra de côté. Il nous en faudrait deux maintenant. Pas grave, là, c'est. On range l'inventaire. Voilà, ça c'est pour les mettre de côté. Moi, on sait qu'on aura deux rouges. Et dès qu'on les combinera avec deux vertes, on sera tranquille. On aura encore deux grands soins. Et oui, deux. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Alors, soit on utilise le câble, soit on utilise la lumière. Tiens, prends la lumière pour voir. La lumière soirée, la lumière fille. Attention, t'as pas eu trop mal? Monsieur, vous avez pas eu trop mal, monsieur Nemesis? Vous vous êtes cassé la figure, hein, j'ai vu là. Wouhouhou. Elles sont mignonnes les araignées. Alors si je dis pas de bêtises, je devrais passer par ici. Et normalement. Voilà, c'est bon. On va l'abandonner. Voilà. Encore une clé avec beaucoup d'utilisation, hein, vous avez vu. Merde, 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 merde. Tu. Là, j'ai failli me faire avoir. Hein. Et si je me fais toucher par ces araignées, c'est l'empoisonnement direct. Enfin, si c'est pas direct, c'est l'empoisonnement, ça je peux vous le dire. Alors j'ai combien? Ah bah parfait. J'ai trois emplacements. Ici, on la prend. De l'obsidienne. Cristal. Donc ça, c'est une des épreuves qui peut être assez embêtante. Bien sûr, je suis sûr je vais me foirer. Mmh. Et on va poser le cristal pour voir. Ok. Je le fais à l'instant, on verra bien. Si ça fonctionne, c'est très bien. Est-ce que là ça va? J'espère que ça va marcher. Ce serait bien que je le fasse du premier coup. Membre. Ah, je vais vous le dire. C'est de la chance. J'ai tenté, j'ai réussi. C'est cool. Très sympa.
Donc ça, on peut les associer. Et ici, il n'y a pas quelque chose à faire. Par hasard. Ah! Faut qu'elle aille chez Monsieur Muscle, d'accord. Alors pour les araignées, vu que... Je les aime pas, je vais leur fracasser la gueule. Oula. On va pas s'embêter. Parce qu'en fait, les... j'aime pas celles qui sont seules. Celles qui sont en l'air, ça me dérange pas. Oh oh. Toi tu meurs. Parfait. Je suis pas empoisonné. Non, ça va. Là, celles qui sont sur le mur, en fait, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais celles qui sont à terre, je déteste. Donc du coup, je préfère la tuer. Normalement, ça devrait être bon. Ah si, il y avait encore des zombies dans le coin. Bon, on va aller... bah non, quoique, là, j'aurais pas besoin d'aller les tuer. Je dois aller en haut. Je dois aller en haut parce que c'est l'engrenage qu'on a récupéré. Et on doit le mettre en... tout en haut pour faire sonner normalement l'église. En fait, celle-ci, si elle descend, c'est pas encore trop grave. Celle qui est plus, qui était plus grave sur notre passage, c'était l'autre qui peut nous bloquer et du coup peut aussi nous troller. Parce que dans le jeu, vous savez très bien qu'on peut avoir des trolls quand même. Hein. Les trolls des ennemis, honnêtement, c'est pas de rigolo parce que vous faire infiniser par un ennemi ou vous faire empoisonner à un moment assez important dans le jeu, ben ça peut vous embêter gravement et ruiner votre santé mentale. Voilà, voilà. Alors utilisons ce fameux engrenage. Donc voilà. Alors non, 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 d'accord, oui, c'est bon, venez de me rappeler. Bon. Comme je dis, c'est juste de vagues souvenirs, mais... Ça, ça va pas être un souvenir, ça. Le souvenir n'est pas partagé, on va dire. Alors, ce que je vais faire, c'est... Hop, associé, tac. Comme ça, je peux récupérer mes grenades, en fait, classiques. Et les mettre dans notre inventaire. Parce que... L'heure est grave. L'heure est grave. Non, c'est pas la fin du jeu. C'est ce que vous vous demandiez. Mais, non, non, là l'heure est grave, en fait. J'ai tous les objets au cas où... Non. Non, là c'est bien. Je sais pas. Non, non, non. Quoique, je sais pas si les grenades d'azote sont... Oh, puis non. Allez, on y va. Avec celle au napalm. Non, mais là je prévois le coup parce que je vois déjà le... Le truc arriver là. Donc la porte qu'on avait faite tout à l'heure, c'est par là que nous allons passer pour aller dehors. On a fini le jeu! Et voilà, c'est le combat final. Non, pas du tout. Je vous l'ai dit en plus, ça va pas être la fin, donc... Toi, t'es pas cool. Lance-grenade. Oh. God.
Et il est content, le petit con. Ah! Laisse-moi tranquille! Non, non, non! J'aime pas ça! Oh, 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 oh! Oh, là, 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 là. Ah non, 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 tu me laisses tranquille! Non, non! Ah, oh, j'aime pas ça! Ouais, mais. Ah, du coup, je vois pas ma vie! Ah! Oh. Mais hé, vise! Bon bah là par contre je sais que je suis en très mauvaise posture. Non, 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 non. Ouh! Laisse-moi tranquille. Monsieur pas beau là. Ah, il a perdu son... Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Némésis, laisse-moi. Non mais je t'assure, t'es pas gentil là. Ah. Die. Ah. Là il est vénère, là il est vénère, là il est vénère, là il est vénère, il est vénère, il est vénère. Non, non, non. Tu te calmes, 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 tu te calmes. Hop là. Hop là. Allez, meurs. Infâme créature de l'enfer. Ouais, va dans le feu. Brûle. Et voilà, on est morte. Jill! Jill! Hang in there! What have I done? I'm sorry, Jill. Please, wake up! Jill! Jill! October 1st, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. Alors, par contre, est-ce qu'avec lui... Ah, c'est parfait, j'ai des soins. Pas des soins, pardon, j'ai des sauvegardes. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va sauvegarder ici. J'espère que ça vous aura plu. C'est le suspense pour le prochain épisode. Donc, nous contrôlons maintenant Carlos. Et on va certainement devoir aider la chère Jill Valentine. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Resident Evil 3. Salut à tous!